Yahoo petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour le deuxième album de K-pop. Donc en fait, l'album en question est un album solo du chanteur Léo qui fait partie du groupe que je t'ai présenté donc la semaine dernière. Donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ce qui est de l'enveloppe, j'ai eu donc une enveloppe marron et à bulles. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un minimum de protection avec l'enveloppe. Et quand on enlevait, on avait donc l'album de protégé via deux couches minimum de papier à bulles. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc, c'est parti. Moi, je crois que normalement, je l'avais déjà pré-ouvert. Voilà. Et on va découvrir ça ensemble. Donc, une des cartes, je pense, qui devait être dans l'album. Et on a donc l'album plus le poster. Alors, ne me demande pas pourquoi, mais j'ai l'emballage et les cartes qui sont séparées. Toujours est-il, on va zoomer et ce sont des cartes de l'ancien album, enfin le précédent album, celui que je t'ai présenté la semaine dernière. Donc là, on a Yook. À l'arrière, c'est Hongbin. Ici, on a la carte de Léo par rapport à l'album, vu qu'il a les cheveux roses. Peut-être un petit peu dézoomé. On a de ce côté Léo par rapport à l'autre album, Eau de Vix. N. Là, on va... Non, pardon, Ken. Et là, c'est N. Et de l'autre côté, on a Ravi. Donc, en fait, on a tout le monde sur ces fameuses cartes. Ici, on a les mains de Léo. Je ne sais pas si on verra très, très bien. Et donc, il reste le poster. Et pour ce qui est de l'illustration qu'on a sur le poster, c'est exactement celle-ci. Donc, je vais juste te montrer vite fait. Mais on ne pourra pas très bien voir parce que je n'ai pas assez de recul sur cette table. Mais voilà, tu peux voir que c'est exactement la même illustration. Et donc, on est parti avec l'album.